nous sommes prêts, a écrit Tony Yoka sur Instagram, quelques heures avant son troisième combat de l'année. Samedi 16 décembre, le boxeur français de 25 ans a poursuivi l'opération La Conquête en affrontant Ali Baghouz. L'événement s'est déroulé à la scène musicale, à Boulogne-Billancourt. Deux mois après sa victoire sur l'Américain Jonathan Rhys au Zénith de Paris, Yoka a remis le couvert. Le champion olympique français s'est défait de son adversaire par KO technique, en seulement deux rounds. Sa chair est tendre, la boxeuse Estelle Mosley, et la mère de Tony, Gertrude, sont montées sur le ring pour le féliciter à l'issue de sa victoire. RDV l'année prochaine pour d'autres aventures. C'est maintenant le temps du repos et des fêtes de fin d'année avant la reprise, conclut Estelle Mosley, toujours sur Instagram. La compagne de Tony Yoka et maman du petit Ali, 4 mois, fêteront Noël et le Nouvel An l'esprit tranquille.